Le Bas-Saint-Laurent. Rendre le temps. On vous amène aux frontières du Nouveau-Brunswick et du Maine à la découverte du Témiscouata. Que ce soit pour y passer quelques heures ou quelques jours, vous allez être charmé par la région parce que Claudine, le Témiscouata, c'est un immense terrain de jeu. Oui, en effet. Alors, on est situé vraiment au sud de la région du Bas-Saint-Laurent. Donc, on retrouve le grand lac Témiscouata qui fait plus de 40 km, le lac Poinégamouk avec sa plage qui est très renommée avec son kilomètre de sable fin. Alors, c'est vraiment notre belle région, près de 4000 km² pour s'amuser. Des découvertes à faire, il y en a beaucoup. Il y a des incontournables. Quels sont-ils? La plage de Poinégamouk qu'on vient de parler, alors vraiment un kilomètre de sable fin, des activités nautiques et le plus grand jeu gonflable nautique sur le lac, alors des heures de plaisir. On retrouve aussi la piste cyclable Le Petit Témis entre Rivière-du-Loup et Edmundston au Nouveau-Brunswick, donc 135 km de piste cyclable sur une ancienne voie ferrée, alors c'est accessible pour toute la famille. Et le parc national du lac Témiscouata, qui est un des derniers nés du réseau de la CEPAC, alors pour des activités de randonnée pédestre, de vélo, d'activités nautiques et beaucoup aussi d'activités de découverte sur l'histoire du territoire et de l'archéologie aussi, qui est la signature du parc. Alors, beaucoup d'activités de plein air, mais il y a aussi des artisans agroalimentaires qu'il faut découvrir. Oui, beaucoup de beaux produits du terroir à découvrir, fromagerie, microbrasserie, verger, le domaine à serre, entre autres, avec des produits de l'érable. C'est un économisé et eux font des boissons alcoolisées à base de sève d'érable. Une herboristerie aussi artisanale. Alors, on retrouve vraiment une foule de produits pour tous les goûts. Alors, on a le goût d'aller goûter à ces produits-là, d'aller faire aussi des activités de plein air. Si on veut avoir plus d'informations sur le Témiscouata, on se rend où? Alors, c'est le site bassaintlaurent.ca et on a bien hâte de vous revoir dans notre région.